ça, c'est une des deux maquettes qui aura à Budapest. Je pense que ce sera la deuxième, car on en a deux à monter. Les difficultés sur cette maquette, c'est de bien... Il y a des aplombs un peu partout, là. Partout. Les difficultés, c'est de monter bien d'aplomb et bien d'équerre. C'est surtout ces deux parties-là qui sont difficiles. Après, c'est principalement du remplissage, avec un pilier au milieu et... Voilà, quoi. Cette maquette, je l'ai faite en 6 heures. 6 heures, donc en comptant du départ de l'épure à la dernière brique posée là-haut. Alors, j'avais vraiment pas d'idée sur ce que j'allais avoir comme maquette. Quoi. Je me doutais que sur la première maquette, donc il y a un arrondi, je me doutais qu'il y allait avoir un arrondi quand même à ce niveau-là. Il faut une difficulté particulière. Là, celle-là, bon ben, je l'aime bien. Celle-là, elle est vraiment pas mal. Et en plus, elle est jolie, quoi. Donc maintenant, on va aller sur une autre maquette d'entraînement qui se situe à côté, là. C'est une maquette où je travaille surtout mes points faibles pour justement m'entraîner à être fort. Alors là, on est sur la maquette sur laquelle je m'entraîne aujourd'hui. Donc je vais principalement travailler mes points faibles, qui sont les bandeaux. Donc la partie haute là. Les deux parties en pignon là, avec un enduit au milieu. Alors Willy a un tempérament particulier, on va dire. C'est quelqu'un qui, dont on a l'impression qu'il ne stresse jamais, quoi qu'on lui dise. Ce qui est quelque part un atout des fois aussi, parce que ça permet, lorsqu'on a différents candidats, de ne pas montrer qu'il est en stress. Dans ses meilleures qualités, il reste à l'écoute, garde un petit peu de personnalité en étant un petit peu têtu, mais reste à l'écoute des conseils. Après, bon, bah, c'est un jeune volontaire qui a l'esprit de compétition et qui a surtout un très très bon esprit de groupe et qui est un meneur... notamment dans l'équipe de France. L'épreuve qui a été votée du coup pour le concours de Budapest prendra en compte les 30% de change, mais cependant on garde certaines complexités à travers les arrondis et le relief qu'elle présente, et puis la quantité de coupes aussi qu'elle présente. Elle présente beaucoup de coupes, donc il n'y aura pas de temps à perdre.